Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. Ça y est, on est le 3 novembre, journée importante, 3 novembre 2020, 13h35, heure du Québec. On verra qui sera le prochain président des États-Unis aujourd'hui, ou bien pas aujourd'hui, parce que ce serait vraiment étonnant qu'on ait des résultats aujourd'hui définitifs. Plusieurs États vont compter les bulletins de vote qui arrivent par courrier, et c'est très rare qu'on puisse proclamer un vainqueur le soir même d'élection. Donc, on verra bien ce que ça va nous donner dans les jours qui suivent. Pendant ce temps-là, on est le 3 novembre 2020, 13h35, heure du Québec, et on a beaucoup de... depuis des années, hein, on a beaucoup de signalements dans plusieurs villes du monde, plusieurs endroits du monde entier, plusieurs signalements de populations aux États-Unis, ailleurs, de populations qui entendent des grondements, des bruits, des booms soniques qui viennent soit des profondeurs de la Terre ou de l'infini de l'espace. Hein. On ne sait pas d'où, des fois, ces sons-là proviennent. Est-ce que c'est des sons qui sont qui ont comme origine, sont d'origine naturelle plutôt? Avec des frictions de plaques tectoniques ou des frictions dans la haute atmosphère ou autre origine. On est vraiment, vraiment dans le néant à ce niveau-là. Et en Inde, on a eu, dans les plus récentes histoires de ce genre-là, des villageois qui ont entendu des sons et des vibrations mystérieux qui ont secoué les villageois et fissuré des maisons aussi en Inde. Des sons mystérieux et des vibrations inexpliquées secouent les habitants de l'Inde. D'étranges sons forts accompagnés de grondements et de vibrations émergeant du sol ont fait trembler les habitants de l'Inde depuis le début du mois dernier. La peur et la panique se sont déjà répandues parmi les habitants de plusieurs communautés, entre autres Malgan, Mazuti, et plein d'autres dont je vous épargne les prononciations. Les villageois rapportent ressentir fréquemment des bruits forts venant du sous-sol, suivis de vibrations, tremblements légers pendant 5 à 6 secondes, qui ont déjà fissuré de nombreuses maisons debout dans la région. Après avoir été secoués tous les jours, ou tous les 2 à 3 jours, le phénomène étrange se produit désormais quotidiennement. Les gens commencent même à dormir à l'extérieur de chez eux, craignant un tremblement majeur. Imaginez-vous, une habitante ou un habitant de Malgam a déclaré: « Nous avons entendu un bruit fort et une grosse secousse samedi. Des ustensiles de cuisine sont tombés, des étagères de plusieurs maisons. Ce phénomène étrange a semé la peur parmi les villageois. » Donc, il y aurait une usine, peut-être, et son réservoir, hein, d'Almaty sont peut-être un indice du mystère à proximité. Il y a en effet une fosse majeure en cours de creusement à l'usine, ce qui pourrait entraîner des tremblements de terre et des tremblements et des vibrations. Cependant, la source du bruit souterrain est toujours inexpliquée et un groupe de fonctionnaires tente de démystifier ce mystère sonore. Donc, vraiment fascinant, une autre histoire de son et de vibration mystérieuse, cette fois-là en Inde.